Voilà. Donc, cette fois, Jean-Philippe, tu vas donner le message de ce soir. Vraiment, sois attentif. C'est dans la continuité de nos enseignements sur les vainqueurs. Voilà, donc il va, je vais lui laisser la parole et puis voilà. Dieu te bénisse. Jean-Philippe is going to give the message today, and it is in the continuity of the message that we have already started, the message concerning the winners. So it's Brother Jean-Philippe that is going to give us that message, that continue the message that we have already said. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ensemble ce soir. Amen. Et que lui-même, il nous parle sans énigme. Qu'il nous montre une représentation de lui-même, comme tu l'as fait avec Moïse. Amen. Amen. Alors, dans la continuité justement de ce que le frère Mémel est en train de dire par rapport au vainqueur. So to continue what Brother Mémel was saying concerning the winners. Je voudrais que ce soir on regarde quelque chose. I want us today to look at something. Un aspect des vainqueurs. That's an aspect of the winners. Ce que le Seigneur a donné à des personnes. What the Lord has given to some people. Pour que ces personnes-là soient des vainqueurs pour lui. For those people to be winners for him. Souvenons-nous qu'un vainqueur pour Christ. Let's remember that a winner for Christ. C'est celui qui garde les œuvres. Is the one that keeps the works. Du Seigneur. That keeps the works of the Lord. Il dit qu'ils les ont vaincus grâce à la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. He says that the one through the word of testimony and the word of testimony in their lives. Et il y a beaucoup de combats dans la vie d'un enfant de Dieu. And there's a lot of battles in the life of. Mais nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui-même qui combat pour nous. But we bless the Lord because he is the one that fights for us. Il y a un certain nombre de territoires que le Seigneur avait donné en héritage à Israël. So there are some territories that the Lord gave to inheritance to Israel. Que Israël devait posséder. That Israel must possess. Mais c'est Dieu lui-même. But the Lord himself. Qui combattait pour Israël. The one who was battling for Israel. La Bible dit qu'à la seule mention du nom d'Israël. The Bible says at the name of Israel. Les nations étaient terrifiées. Nations were being terrified. Des rois puissants. Powerful kings. Comme Sion, roi des Amoréens. Like Sion, the king of Amoréens. Comme Og, roi du Bazan. Like Og, king of Bazan. Et le Seigneur a pris leur territoire. And the Lord took their territories. Il l'a donné à Israël. And gave it to Israel. Mais quand Israël arrivait sur le territoire. And when Israel came, when Israel comes to the territory. Notamment quand il s'adressait aux habitants de Gabaon. When he was addressing themselves to the people of Gabaon. Ils ont dit aux habitants de Gabaon, peut-être que vous êtes sur nos territoires. Told them, people of Gabon, maybe you are on our land. Mais comment, sur quoi ils s'appuient pour dire que les Gabonites étaient sur leur territoire? So the question is on what the Israel based themselves to say that the Gabonites were on their territories. Alors qu'ils sortaient de 430 ans d'esclavage en Égypte. As we all know that they came like 400 years ago from the territories of Egypt. So on what basis would they tell the Gabonites that they were on their territories? Pour dire que je suis propriétaire de quelque chose, surtout d'un bien matériel. To say that I'm an owner of something, especially when it's a physical thing. Comme une maison, une terre. Like a land or a house. Ça me prend un acte notarié. It needs a notarial act. Et cet acte-là, Israël l'avait. And that act, Israel has it. That stamp. À cause de la loi que le Seigneur avait donnée à Moïse. And that stamp is because of the law that God gave to Moses. Et à cause de par cette loi là, and with that law, le Seigneur a enseigné le culte à Israël. God teaches how to praise to Israel. Et à travers ce culte là, and according to this service of praising and adoration, le Seigneur est en train de montrer à Israël comment vaincre la nature du péché. The Lord was teaching Israel how to win the sin nature. Mais Israël dans la chair n'avait pas compris. But Israel, the Israel that we can represent on the flesh, didn't understand that. Et ils sont rentrés dans les œuvres. And they started to enter works. Au point que leur conscience n'est pas arrivée à la statue de pureté. To the point that their conscience hasn't attained this purity. Mais ce soir, but today, le Seigneur nous donne ce même acte notarié là. The Lord is giving us this same notarial stamp. Mais non pas pour faire les choses à la main d'Israël dans la chair. But not to do according to how Israel did it in a fleshy manner. Non pas pour adorer le Seigneur selon les œuvres de la chair, pas les œuvres. Not to adore him with the work of the flesh.
mais pour adorer le Seigneur à la manière de Melchizedek. Amen. But to adore the Lord in the Melchizedek manner. Pour que nous, so that we, nous parvenions à l'état d'homme fait. We can reach this accomplishment. Pour que notre conscience ne soit pas souillée. So that our consciousness won't be covered with dirt. Alors, on va croiser deux passages. D'abord, pour parler de l'acte notarié, ça se trouve dans le psaume 105. On va lire cela. Ce n'est pas nos textes de base. Psaume 105 à partir du verset 8. Psaume 105, starting from verse 8. Il dit, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. Psaume 105 à partir du verset 8. Regardez bien le verset 9 et le verset 10, 11. Look carefully at verse 9, 10 and 11. Il dit l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Amen. Amen. Donc, quand Israël se présentait sur le territoire des Cananéens, ils avaient cet acte notarié-là. Par la loi de Dieu, ils étaient capables de dire que vous êtes sur notre territoire. So, when Israel came to the land of Canaan with this notorious stamp that the Lord gave to them, they were able to say that you, Cananéens, you are on our land. Mais nous, nous sommes dans l'alliance qui est basée sur de meilleures promesses. But we are on this alliances or this covenant that is based on better promises. Nous sommes dans l'alliance de l'esprit. So, we are in the covenant of Spirit. Alors nous quand on adore le Seigneur par rapport à l'esprit, par rapport aux choses de l'esprit. C'est pour ça qu'à travers le sanctuaire terrestre, on va regarder à la lumière de l'esprit, qu'est-ce qui était derrière ces choses-là. So that's why through the earthly sanctuary, with the light of the spirit, we'll be able to understand what that represents. Alors notre texte de base c'est Exode 25, verset 8 et verset 9, qu'on va croiser avec Hébreux chapitre 9 pour comprendre un peu. So our fundamental text will be in Exode 25, verset 8 et verset 9, qu'on va croiser avec Hébreux 9. Celui qui a trouvé Exode 25 peut lire. Exode 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Alors, le désir de Dieu a toujours été d'habiter avec ses enfants, avec son peuple. So the desire of God was always to dwell with his people. Depuis le jardin d'Éden, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il y a un sanctuaire dans lequel il veut habiter au milieu des hommes. Since the garden of Eden, the Lord is showing to us that there's a sanctuary in which he wants to dwell with men. Et le jardin d'Éden était l'image de ce sanctuaire là. And the garden of Eden is the image of this sanctuary. On appelait le jardin d'Éden le jardin des délices. So the garden of Eden is being called the garden of pleasure. Après la chute d'Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin. Mais le plan de Dieu n'a pas été annulé pour autant. But the plan of God didn't stop. Il a repris ça avec Noé. So he renewed his plan with Noah. Il a demandé à Noé de lui bâtir une arche. He asked Noah to build an ark. Pour sauver sa vie, lui et sa famille. To save his life, he and his family. À travers la vie des Israélites. So through the life of the Israelites. Quand on parle du sanctuaire terrestre justement. When we talk about the earthly sanctuary. Et à travers la vie des rois, notamment de Salomon. And through the life of kings, talking about Solomon. Et même Christ, quand il est venu, il a parlé de ce sanctuaire. And even Christ, when he came, he talked about this sanctuary. Mais pour bâtir le sanctuaire de Dieu, ça vient par la révélation de Dieu. But to build the sanctuary of God, it comes by the revelation of God. Il a révélé à Noé. So he revealed to Noah. À Abraham. To Abraham. Il a révélé ce sanctuaire à Abraham. He also revealed this sanctuary. La Bible dit qu'après que Abraham se soit séparé de Lot. The Bible says when Abraham separated himself from Lot. Dieu lui a dit lève les yeux de l'endroit où tu te trouves. God told him look up from the moment from where you are. Et regarde au nord.
Regarde au sud. Regarde à l'est, regarde à l'ouest. Ce territoire que tu vois, je te le donne. Mais quand on le lit comme ça à première vue, on pourrait penser que c'était le territoire de Canaan. Mais quand on vient de Hébreux 11, Hébreux nous révèle que Abraham, c'est pas ce qu'il voyait. Il voyait la cité. He was seeing the city qui a de solides fondements. That has strong foundations. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. This city that the Lord is himself the architect. C'est pour ça qu'il ne s'est pas attaché aux choses de la chair. That's why he didn't attach himself to flesh. Quoi qu'il était très riche. Even though he was very rich, il se déplaçait de tente en tente. He was going from tent to tent. Avec Moïse, on l'a vu, and comme on vient de le lire. That, avec Salomon aussi. With Salomon also, David a dit David said, que c'est par révélation by revelation que j'ai reçu les plans, that I received the plans de cette maison. Of this house. Il dit même que c'est par un écrit de sa main que Dieu m'a révélé les plans and de cette maison. By the writing of the Lord, et chaque ustensile, la matière qu'on devait utiliser pour chaque ustensile, le poids, la mesure, tout ça, David l'avait reçu par révélation. Et il a pris son temps, il a préparé tout ce qu'il avait à préparer. And he prepared all that he needed to prepare for that. Et Salomon n'a fait que assembler les morceaux. Salomon only just assembled what he needed to be assembled. Au point que quand on bâtissait la maison, to the point that when they were building this house, on a entendu aucun bruit de fer ni de marteau. They heard no sound of metal or hammer. Et le Seigneur lui-même, quand il va venir, and the Lord himself, when he will come, la maison que lui était venu pour bâtir, cette église, la glorieuse, the house that he himself, he wanted to build, this glorious church, c'est par la révélation de son nom qu'il a posé le fondement de cette église-là. He poses the foundation of this house. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, that's why he told Peter, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, it's not the man that revealed that to you, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé it's cela. My father that is in heaven that revealed that to et sur cette pierre, and he said, on this pour dire cette révélation, said, Peter, on you, with this revelation, je bâtirai mon église. I'll build my church. Amen. Amen. Alors ce soir, so today, que le Seigneur nous accorde la révélation de son nom. May the Lord give us the revelation of his name. Et que lui-même nous édifie, chacun pour sa part. May he edify us. Alors, quand on lit Exode 25, verset 8 au verset 9, et qu'on le croise avec Hébreu 9, so when we read Exodus 25, verse 8 and 9, and then we cross-check with Hebrew 9. Hebrew nous explique que ce sanctuaire avait trois parties. Hebrew explains to us that this sanctuary has three parts. Il y avait le parvis. Ça va? Ça, je dois voir. Ok, il faut dire la première partie. So the first part, et puis il y avait le lieu saint. And we have the holy, the holy place. Et puis il y avait le lieu très saint. And we have the most holy place. Et nous ce soir nous allons nous concentrer sur chaque élément qui était dans chacune de ces parties là. So we are going to focus on all the elements of these parts. Parce que c'est à travers ces éléments là. So it's through these parts. Que il y avait le sacerdoce. That we have the priesthood. Qui avait le culte. That we have the service. Et quand on prend le parvis. So when we take the first part of this sanctuary, le premier élément qu'on pourrait voir, the first element that we see, selon Hébreu, according to Hebrew, il parle de l'autel des holocaustes. It talks about the altar of holocaust. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi cet autel-là? So this altar of holocaust, what does that mean? Qu'est-ce qu'il représente pour nous aujourd'hui? What does that represent to us? Israël spirituel. Spiritual Israel. Mais avant de rentrer dans cela, that, on va regarder ce que le Seigneur avait dit à Moïse avant de construire l'autel des holocaustes. So we are going to see what the Lord told Moses before building the altar of holocaust. Dans Exode 27, il commence à parler, il commence à décrire l'autel des holocaustes. So in Exodus 27, he is describing the altar of holocaust. On va aller verset par verset. So we are going to go verse by verse. Au verset 1, il dit, tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré. Voici le premier élément que le Seigneur donne, so parlant de l'autel des holocaustes. Ah, ok, excuse-moi. Il dit l'autel des holocaustes sera carré. So he said the altar of the holocaust should be in a cube.
Pour ceux qui ont fait les maths, ils savent qu'un carré, for those who did mathematics, c'est une figure dont la longueur est égale à sa largeur. Knows that a square is a geometric figure in which the height. Quatre côtés égaux. The four parts are all equal. C'est très révélateur. So that's very revealing. Ça ne parle de l'équité. So that talks about equity. Ça ne parle de la justice. It talks about justice. Ça ne parle de la droiture. It talks about righteousness. Amen. Amen. Et puis il dit que tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel. So it says that you make from the four squares horns that will come out of it. Et tu le couvriras d'airain. And you will cover them with brass. Mais c'est quoi cette affaire-là? So what is this? L'autel des holocaustes nous parle du cœur. So the altar of holocaust talks about the ça heart. Ça parle de notre cœur. It talks about our heart. Jérémie 17, verset 1. Jeremiah 17, verse 1. Mais il faut trouver les vestiges en même temps. Ok, Jérémie 17, verset 1. Mm-hmm. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, mm-hmm. avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Amen. Amen. L'autel nous parle du cœur. So the altar talks about the heart. Et mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie les cornes, les quatre cornes de l'autel? What does these four horns of the altar mean? Les quatre cornes d'autel nous parlent de la bonté, de la justice, de la fidélité, de la droiture. So the four horns talks about charity. Parce qu'à travers l'autel, on offrait des sacrifices à Dieu. So because through the altar, they offer sacrifices to God. Et dans Matthieu 23, le Seigneur parle aux pharisiens. And in Matthew 23, he talks with the pharisees. On va lire ça rapidement. Matthieu 23, je pense. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Matthieu 23. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. On va le croiser avec Miché. Miché reprend ça pour dire, so you are going to cross to check it out with Michée 6. Micha 6. Michée 6, verset 8. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Amen. Mais comment ils ont su que c'était ce qu'il fallait pratiquer? Parce que là, on est encore dans l'Ancien Testament. How did they know that that's what should be practiced? Because at that time, we are still in the Old Testament. On pourrait en même temps se poser la question de dire, mais comment l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu? We can also ask the question, how is the offering that Abel made to the Lord has been pleases the Lord? Parce que l'élément capital, because the capital element, celui qui nous révèle les choses derrière les images, the one that reveals to us things behind the images, celui qui nous révèle l'adoration, the one that reveals to us adoration, qui est conforme à l'esprit, that is being in conformity with the spirit, c'est l'esprit de la prophétie, is the spirit of prophecy. C'est pour ça que dans Apocalypse 19 verset 10, that's why in Revelation 19 verse 10, quand Jean a voulu se prosterner devant l'ange, when John wanted to bow before the angel, il a dit garde-toi de le faire, the angel told him do not, car je suis ton compagnon de service, because I am your companion of service, ainsi que celui de tes frères, and also that of your brothers, mais adore Dieu, but adore the Lord, car l'esprit de la prophétie, because the spirit of the prophecy, c'est le témoignage de Jésus-Christ, is the testimony of Christ. Mais quand tu lis ça comme ça, adore Dieu car l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ, c'est comme si il parlait d'un autre esprit. But when you read it like that, like adore the Lord because the spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ, you think that it's another spirit. Mais ce n'est pas un autre esprit. But that's not another spirit. C'est la parole révélée. It's the revealed word. Et cette parole révélée là, and this word that has been revealed, le Seigneur lui-même dit, the Lord himself says, quel est esprit et vie. That is spirit and life. Alors, cet esprit de la prophétie là, non seulement il nous montre comment réaliser les choses de Dieu, so, this spirit of prophecy does not only show comment l'adorer, how to adore the Lord,
C'est pour ça que dans Exode 20, verset 25 et 26, quand le Seigneur disait à Moïse, quand tu vas me faire un autel de pierre. That's why in Exodus 20, verse 25 and 26, when the Lord told Moses that when you are. Exode 20, verset 25 et 26. Exodus 20, verse 25 and 26. 25 et 26. Tu me lèveras un autel de pierre. Tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Il te le fera de pierre brute, pas de pierre taillée. Parce que le fer nous vient de Tubal-Caïn. Ça, c'est l'esprit de Babylone. That's the spirit of Babylon. C'est le Seigneur lui-même qui taille ses pierres. So the Lord himself is the one that cuts his stones. C'est l'esprit lui-même qui taille ses pierres. It's the spirit himself that cuts the stones. Et ces pierres dont il est question sont des paroles révélées. And these stones are being revealed words. Comme il a dit à Pierre, sur cette révélation, sur cette pierre. That on you on this rock I will build. Mais comme la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. But as the word of God is like a two-edged sword. Parce que en même temps qu'il disait à Pierre que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. At the same time that he was telling Peter that you are Peter and on you I will build my church. Il était en train de dire que nous sommes des pierres vivantes. He was saying that we are all living stones. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes des pierres vivantes? But what makes us living stones? C'est parce que nous avons la révélation de la parole de Dieu. It is because we have the revelation of the word of God. Et c'est comme ça que le Seigneur nous bâtit. And that's the way the Lord built us. Pour que nous devenions une habitation de Dieu en esprit. So that we become a dwelling of the Lord. Et lui-même est la pierre angulaire. And he himself is a cornerstone. Amen. Amen. Donc on revient à Exode 27 encore. On continue notre lecture. Exode 25. Là, il décrit encore, il décrit l'autel. On va sauter un peu parce que là, ça va être long. So he's describing the altar here. Mais je voulais parler du verset 8. But I want to talk about the verse 8. Il dit que tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'a montré sur la montagne. Le creux nous parle de quoi? So what is being hollow talks about what? L'image c'est que c'est un carré qui est fermé. The image talks about a square that is being closed. Mais que l'intérieur est creux en réalité. But the interior of this square is hollow. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. It's rather deep. It's something that you don't see. C'est révélateur. So this is very revealing. On lit ça dans le psaume 64, verset 7, et puis Jérémie 17, verset 9. So we are going to read that in Psalm 64, verse 7. Psaume 64, verset 7, et puis Jérémie 17, verset 9, pour parler de ce que le cœur de l'homme est en réalité. Mais ce cœur-là, le Seigneur veut le changer. Le Seigneur veut le transformer. Amen. Celui qui a trouvé, si vous trouvez les passages, vous pouvez les lire pour qu'on... C'est Psaume 64, quoi. Verset 7. Ben, ça peut considérer... Psaume 64, verset 7, ça peut être décalé en fonction des... Pour moi, ils ont mis « Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » C'est ça. Le creux nous parle du fait que le cœur de l'homme, la pensée intime de l'homme, ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est un abîme. On ne connaît pas le cœur de l'homme. So the heart talks about what is deep inside it. So the heart of man is like, he don't know what is inside. Jérémie 17, verset 9. So Jeremiah 17, verse 1. Le cœur est tortueux jusqu'au bout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? So who can know the heart of man? Qui peut connaître les pensées d'un homme? Who can know the thinking of man? Mais nous bénissons le Seigneur. But we bless the Lord. Parce que son esprit. Because his spirit. De ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2. What Paul says in 1 Corinthians chapter 2. Il dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. That the spirit inspects everything, even the deepness of the Lord. Et il nous révèle les choses cachées, des réalités inaccessibles. And reveals to us what is being concealed. C'est pour ça que dans le même chapitre. That's why in the same chapter. Il dit que ce qui n'est pas monté sur le cœur de l'homme. Says that what hasn't come into the heart of man. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. What the eyes hasn't seen, what the heart hasn't conceived. Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment.
The Lord has revealed to those who he loves. Amen. Amen. Le cœur de l'homme. So the heart of man. Il est tortueux plus que tout. Is very cunning. Mais le creux aussi, c'est révélateur dans le sens que. But what's hollow is also being revealing. Ça définit la profondeur du cœur. It also defines the deepness of the heart. Et notre cœur est comme une terre. And our heart is like a land. Quand on se réfère à la parabole de la semence ou bien du semeur. When we refer to the parable of the seeds. Il y a quatre types de terre. They have four types of land. Mais lorsque la graine tombe dans une terre qui n'est pas profonde. But when the grain falls on a land that is not deep. Elle n'arrive pas à croître. This seed doesn't grow. Parce que de la profondeur de notre cœur, la profondeur de cette terre là. Because from the deepness of this land. La racine va être enfouie très loin. The root have to find anchors. Et la racine qui parle de la persévérance. And the root talks about perseverance. La persévérance dans les épreuves. That's perseverance in trials. Elle nous donne de résister. It gives us the strength to resist. Dans les situations de tempête. Situation of in terrible situations. Dans des moments difficiles. In difficult moments. C'est pour ça que le Seigneur lui-même va dire. That's why the Lord himself will say. Que celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique. The one that listens to these words and put them into practice. Est semblable à quelqu'un qui voulait bâtir une maison. Is like someone that wants to build a house. Mais qui a creusé. And that he dug. Et qui a bâti sa maison sur le roc. And he built his house on a rock. Lui-même est le rocher des âges. He himself is the rock. Le vent a soufflé. The wind blew. La tempête est venue. The storm. En tout cas, les intempéries sont abattues sur cette maison. So the storm came onto this house. Mais elle a tenu. But the house stood still. Amen. Amen. Alors, à travers l'autel des holocaustes. So through the altar of holocausts. Le Seigneur nous parle du sacrifice de la croix. The Lord is talking about the sacrifice of the cross. Il nous parle de l'œuvre de Christ à la croix. That's talking about the work of Christ on the cross. Je ne vais pas parler des différentes offrandes, des différents holocaustes qui étaient offerts sur l'autel. I won't talk about all the sacrifices and holocausts that were being offered. Mais on pourra faire référence à cela et puis dire qu'est-ce que ça représentait. We are going to make reference to that and say what they represent. Mais d'où est-ce qu'on tient le fait que l'autel des holocaustes parlait de l'œuvre de la croix? But why do we have the certainty that the altar of holocaust refers to the word of Christ? Dans le psaume 118. In Psalm 118. Alléluia. À partir du verset 18. Starting from verse 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Psaume 118. Je vais chercher dans ma version ici, parce que dans cette version, elle n'est pas... À partir du verset 18. Il dit, l'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, car c'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejette, ceux qui construisent, est devenue la principale langue. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est un produit à nos yeux. Attendez, je pense que je perds mon verset. Parce qu'il disait que envoyer, attacher la victime de la fête au corps de l'autel. 27, c'est ça. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais de quelle victime il parle? Which victim is he talking about? Et de quelle fête il parle? And which feast is he talking about? Il parle de la fête de la Pâque. He's talking about the feast of Easter. L'œuvre de la croix nous rappelle la fête de la Pâque. So the work of the cross reminds us of Easter. Alléluia. The feast of Easter. Et le Seigneur voudrait que dans notre adoration, and the Lord wants us in our adoration,
dans le culte que nous vouons, in the service that we are doing, que nous soyons attachés au corps de l'autel. So that we should be attached to the horns of the altar. Mais c'est une expression pour dire que les dispositions de nos cœurs soient conformes à ce qu'ils recherchent. This is an expression to say that the disposition of our heart, or the availability of our heart, should be in harmony with His. Dans Matthieu 15:19, il dit que ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, mais ce qui sort de l'homme qui le rend impur. In Matthew 15:19, he says it's not what enters the mouth of man that makes him impure, but that's what comes out from his mouth. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Because it's from the abundance of words that speak. Quand quelqu'un parle, when someone speaks, tu peux te faire une idée de ce qu'il a dans le cœur. You can have an idea of what he has in his heart. C'est vrai qu'il y a des hypocrites. It's true that you have hypocrites. Comme les pharisiens. Like the Pharisees. Et c'est pour ça que le Seigneur va venir résoudre cette question par la Pâque. That's why the Lord came to solve that problem with Easter. Parce qu'après la Pâque, il y a une autre fête. C'est quoi la fête? Because after Easter, there is another feast. La fête des pains sans levain. That's the feast of bread without leaven. C'est dans 1 Corinthiens 5. That's in 1 Corinthians. Qui dit célébrer la fête. 1 Corinthiens, chapitre 5. Alléluia. Papa dit verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non qu'avec du vieux levain, non avec le levain de la malice, de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc alors que nous cherchons à adorer notre Dieu, so, as we are seeking to adore our God, le Seigneur regarde notre cœur. The Lord is looking at our heart. Il veut voir la bonté. He wants to see charity, la fidélité, faithfulness, et la justice, and justice, la droiture, and righteousness, l'humilité, and humility. J'aime beaucoup parler de la bonté. I love to talk about charity. Quand on se rapporte à la parabole du bon samaritain. When we refer to the parable of the good Samaritan. Avant que quelqu'un commence à manifester de la bonté avec quelqu'un, avant qu'on manifeste la bonté, before you manifest charity to someone, towards someone, il faut qu'on soit rempli de compassion. You must be filled up with compassion. Parce que Jacques va nous dire, because, James will tell us, que la compassion triomphe du jugement. That compassion always triumphs on judgment. Amen. Yeah. Que nous soyons compatissants, les frères. Let us be compassionate. Les uns envers les autres. Towards one another. C'est la condition première. That is the first condition. Pour que nous manifestions de la bonté. So that we can manifest, charity. Mais la bonté, c'est quoi? But charity, what's charity? C'est lorsqu'on se prive. It's when we get deprived of. Pour venir en aide aux autres. So that we can help others. Le bon Samaritain. So the good Samaritan. Il a pris de son huile. He took of his oil. Et de son vin. And of his wine. Pour panser les blessures. To heal the wounds. De cette personne qui était à terre. Of the one that was on the ground. Et il a même confié à l'aubergiste. And he even gave to the hotel man. Et il a donné de l'argent. And he gave him money. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il a fait, but what's interesting in what he did, il a dit à l'aubergiste, he told the hotel man, ce que tu dépenseras en trop, what you are going to spend in much, mets-le sur mon compte. Put it in my account. C'est ce que Christ a fait pour nous. That's what Christ did for us. Il a pris sur lui, he took upon himself, nos infirmités. Our infirmities. Il a pris sur lui nos maladies, nos insuffisances, nos péchés, nos malédictions. L'acte dont les ordonnances et les prescriptions nous condamnaient. So all these acts in which that the laws were condemning us. Il les a effacés à la croix du calvaire. He erased them all on the cross of Calvary. Souvenons-nous que quand il est rentré dans la synagogue. Let's remember when he entered the synagogue. Dans Luc 4. In Luke chapter 4, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. He said, the Spirit of the Lord is on me. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. To announce a year of grace. Et cette année de grâce là. So this year of thanksgiving. Ça s'est accompli à par l'œuvre de la croix. And of grace was accomplished by the work of on the cross. Avant d'aller à la croix. Before going on the cross. Il était question. It was being question of. De libérer un prisonnier. To free a prisoner. Celui que le peuple. The one that the crowd voudrait, wanted. Mais ils ont réclamé. So these people they wanted, they
Barabbas. They claim Barabbas. Qui était un meurtrier. Barabbas that was a murderer. C'est pour ça que Pierre, plus tard, quand il va parler aux Juifs, that's why Peter, when later on you talk to the Jews, il dit que vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. He said you wanted to have the grace of a murderer. Et qu'on fasse mourir le prince de la vie. And that they should kill the prince of life. Nous étions condamnables, mes frères. So we are all condemnable. Nous étions vraiment condamnables. We are all word of condemnation. Mais de la même manière que Christ a pris la place de Barabbas. So at the same Barabbas, manner that Christ took the place of Barabbas. Il a pris sur notre place. He also took our place. Les injures, les malédictions, tout ça, il a pris. So sur the injuries, the curses, all those, he took them. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là? So that's why today we are all here. Mais nous bénissons le Seigneur. But we bless the Lord. Parce que Christ allait plus loin même que cette œuvre là. Because the Lord went further than this work. La Bible dit qu'il allait prêcher aux morts. The Bible says he went to preach to the dead. L'évangile a été aussi annoncé aux morts. The gospel was also preached to the dead. Pour racheter tous ceux qui étaient montés rebelles. To buy all those that were rebels. À l'époque de la patience de Dieu. At the moment of. À l'époque de la patience de Dieu. At the moment of the patience of the Lord. On va lire ça dans 1 Pierre 3, verset 18. So we are going to read that in 1 Peter chapter 3. Et puis 1 Pierre 4. And also 1 Peter chapter 4. Mm-hmm. 1 Pierre 3, verset 18, puis 1 Pierre 4. 1 Peter chapter 3, starting verset 6. Starting from verse 18, and then 1 Peter chapter 4, mm-hmm. Starting from the verse 6. Mm-hmm. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mort en la chair, mais vivifié par l'esprit, mm-hmm. par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits qui sont en prison mm-hmm. et qui furent rebelles autrefois quand la patience de Dieu les attendait pour la dernière fois durant les jours de Noé. Tandis que l'arche se préparait dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Lisez le 1 Pierre 4, verset 5 et 6. Surtout le verset 6. 1 Peter, chapitre 4, verset 5 et 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est 5, non, c'est ça, non? 5 et 6, c'est verset 6 qui m'intéresse. Mm-hmm. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Toi, tu es dans 1 Pierre 5. Il dit 1 Pierre 4. Ah, 1 Pierre 4, ok. 1 Pierre 4, verset 5, c'est ça. Verset 5 et 6. Mm-hmm. Ok. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, mm-hmm. car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que Dieu l'a établi chef des vivants et des morts. That's why the Lord established him chief of the dead and the living. Ça, c'est la bonté. So that's charity. Mais quand on parle de la justice, de la droiture, de l'équité, but when we talk about righteousness, justice and equity, ça nous parle de l'œuvre de la croix. That talks about the work on the cross. Pourquoi la justice, c'est notre relation avec Dieu. Why? Justice is our relationship with God. Cette relation verticale. So that vertical alignment. La droiture, l'équité, entre nous les hommes, la relation horizontale. So righteousness and equity is the horizontal alignment. Mes frères, ayons un cœur qui est droit. Our brothers and sisters, let us have a righteous heart. Un cœur qui est humble. A heart that is humble. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Mais ça vient comment ces choses-là? But how does those things come? C'est en cela qu'on va regarder le sacrifice en lui-même, comment le sacrificateur procédait. So that's how we are going to look at how those things come. That's why we are going to focus on this sacrifice. On n'a même pas encore vu la cuve des reins, tout ça là. Vas-y, vas-y. Dans Lévitique chapitre 1. In Leviticus chapter 1. Je vais lire rapidement, pas du verset 4. Le Seigneur t'a donné les lois par rapport à comment faire les sacrifices, les holocaustes, en tout cas tout ce qui était prescrit pour le sacrifice sur l'autel. So in Leviticus, the Lord was giving the laws on how to present sacrifices on the altar. Le verset 4, il dit que, il parle du sacrificateur, il dit, il posera sa main sur la tête de l'holocauste
qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. C'est l'action de s'identifier à l'animal. So it's the action of identifying oneself to the animal. Mais c'est un animal qui devait être sans défaut. But it should be an animal that should be stainless. Christ nous appelle à être une église. So Christ is calling us to be a church. Pure. Pure. Sans tache. Without stain. Ni ride. Sans tache ni ride. Without stains and without stain. Ni rien de semblable. And nothing similar. Mais pour arriver à cet état-là, but to arrive to that state, il faut que nous identifions à lui. We must identify ourselves to him. La main, là, c'est l'expression de notre âme. So that hand is the expression of our soul. De notre être intérieur. Of our inner being. Ce que nous sommes en dedans de nous en réalité. What we are inside ourselves. Souvenons-nous qu'on a dit que l'autel était creux. So remember when they said that this altar, qui peut connaître les pensées de l'homme qui est en lui? Who can know the thinking of a man? Et le Seigneur veut que nous nous identifions à lui. And the Lord wants us to identify him. En posant la main sur la tête de l'animal, c'est l'expression de notre cœur quand Dieu s'identifie à lui. So by putting hands on the animal, it's the expression of ourselves being identifying ourselves to him. On s'identifie à Christ. We identify ourselves to Christ. À travers les cornes de l'autel. Through the horns of the altar. L'amour que Christ avait pour l'humanité. The love that Christ has for humanity. La bonté qu'il avait pour l'humanité. The charity that he has for humanity. On dit de riche qu'il était. They say rich as he was. Il s'est dépouillé lui-même. He got rid of all these riches. Il est devenu pauvre à notre place. And became poor at our place. Apprenons à nous identifier à Christ. Let's be called to identify ourselves to Christ. Mais Christ c'est qui? But Christ, who is he? C'est la parole de Dieu. Is the word of God. Christ is the word of God. La parole de Dieu pour nous comme un miroir. So the word of God is for us a mirror. Quand on se regarde dans un miroir, on voit qui nous sommes. When we look in a mirror, look at who we are. Mais nous bénissons le Seigneur parce que il dit que sa parole est une lumière. But we bless the Lord because he says that his word is light. Elle vient pour éclairer les abîmes de notre cœur. It's a light that comes to cast light on the deepness of our heart. Au début de la création. So in the beginning of creation. La Bible dit que la terre était informe et vide. It says that the earth was without form. Mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And that the spirit of the Lord was moving on the sea, on waters. Il y avait un abîme qui recouvrait la surface de la terre. So there was a hole that was covering the earth surface. Et le Seigneur dit que la lumière soit. And the Lord says, let there be light. Que la lumière soit et la lumière fut. And he said, let there be light and light and there was light. Et il a séparé. And he separated la lumière d'avec les ténèbres. Light from darkness. Vraiment que les abîmes de nos cœurs soient dissipés par la lumière de Christ qui est sa so parole. So let the abysses of darkness be let them vanish away with the presence of Christ. Parce que cette terre qui était informe et vide là. Because this land that was without form and that was without form and that was empty. C'est l'homme. That was man. Psaume 139, David va nous dire ça. Psaume 139, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Amen. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Il dit quand je n'étais qu'une masse informe. So he said when I was a substance yet being imperfect. Notre cœur qui n'a pas de forme. So our heart that doesn't have, yet have shape. Informe pour parler du chaos. So shapeless. Pour parler de chaos, la déchéance. To talk about déchéance. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. So there is no life, there's nothing. Mais le Seigneur nous voit. And the Lord sees us. Il connaît tous les jours qui nous sont destinés. He knows all the days that we have. Mais Moïse a dit, il a fait une prière. But Moses made a prayer. Il dit, apprends-moi la longueur de mes jours. He said,
teach me the length of my days. Afin que je sache que je suis peu de choses. So that I can know that I'm a little thing. Et que mon cœur parvienne à la sagesse. And so that in order for my heart to attain wisdom. Il t'a donné à la longueur de vie des hommes 70 ans. So he said you gave the length of the days of man. Mais pour le plus vigoureux c'est 80 ans. 70 years. And for those that are very strong, it's 90 years. Parce que 70 nous parle de la sagesse. Because 70 years talks about wisdom. Ça nous parle du conseil. It talks about advice. Que le Seigneur qui lui-même. So that the Lord he himself. Qui distribue de mauvais conseils à chacun de nous. That gives, that distributes advice to people. May he, et qu'il augmente notre capacité de discernement. May he increase our capacity of judgment. Parce que le discernement, c'est l'attente de la sagesse. Because judgment is the rearing of wisdom. C'est le discernement qui nous donne d'être des personnes adultes qui avons l'expérience de la parole de Dieu. Judgment is that gives us the experience of being adult, of being adults. Verset 5, il dit, il égorgera le veau devant l'Éternel. Et le sacrificateur, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Le dépouiller là, c'est le travail de la circoncision. So, removing the skin, that's the work of circumcision. Alors, à travers l'autel des holocaustes. So, through the altar of holocaust. Le Seigneur veut que nous puissions nous dépouiller de notre nature pécheresse. The Lord wants us to get rid of our sinner part. Colossiens 2, verset 10 et verset 11. Colossiens 2, verset 11. Celui qui a trouvé peut lire qu'on. The one who finds can read that. Colossiens 2, 10 à 11. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Tu peux lire le verset 12 aussi. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. À travers l'Holocauste. So through the Holocaust. Le Seigneur nous enseigne la circoncision de notre cœur. The Lord is teaching us the circumcision of our heart. Mais Paul qui va dire, mais quel est l'avantage de la circoncision? Paul asks, what is the advantage of circumcision? Il dit qu'elle est grande de toute manière. It's true, it's great. Parce que la circoncision était pour les Juifs. Because circumcision was for the Jews. Mais il dit que c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. But it's been said that it's upon them that the revealed words have been given. Et c'est ce qui faisait d'eux les maîtres des ignorants. That's what made them the masters of the ignorant. Les éducateurs des aveugles. The teachers of the blind. Mais à leur époque. But at that moment. Eux avaient la lumière de la lune. They had the light of the moon. Parce que la lumière de la lune ne peut pas éclairer comme la lumière du soleil. Because the light of the moon can't shed light like that of the sun. C'est pour ça que quand Zacharie va commencer à prophétiser après la naissance de Jean-Baptiste. That's why when Zachariah will start to give prophecy of the coming of John Baptist. Il dit grâce à elle le soleil levant nous a visités. He will say through that thanks to that. Le soleil levant nous a visités. The rising sun has visited us. Le soleil levant parle de Christ. So the rising sun talks about Christ. Nous parle de l'évangile. Talks about the gospel. Amen. Amen. Que chacun de vous puisse voir briller l'éclat de l'évangile. So each one of us may we see the brightness of the gospel. Et que cet éclat là vraiment brille dans nos cœurs pour dissiper les ténèbres, les abîmes de nos cœurs. May this brightness come to cast light and meant to vanish the darkness of our heart and that of our abysses. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4. That's what Paul says in 2 Corinthians 4. Alléluia. De Corinthiens 4, à partir du verset 3. On aurait pu demander au verset 1, mais on va. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, mm-hmm. qui est l'image de Dieu. Mm-hmm. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On continue. Et il reste combien de temps? Vas-y. Au verset 7. Oui, verset 7. Il dit les fils d'Aaron. So c'est Lévitique. Oui, Lévitique 1, verset 7. Mm-hmm. So that's chapter 1, verset 7. Les fils d'Aaron mettront un feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête, la graisse sur le bois mis au feu de l'autel. Les morceaux, la tête, la graisse et tout ça, c'est l'expression de nous donner entièrement. Parce que cet holocauste devait être brûlé entièrement. So the head, the part, the fat is expression of ourselves presenting wholly. La graisse, par exemple, qui parle de l'insensibilité du cœur. The sensitivity of the heart. Que nous ne sommes pas insensibles aux choses. We shouldn't be insensitive to the things of the Lord. On peut voir ça dans le psaume 119, verset 70. You can see that in Psalm 119, verset 70. Ok. Psaume combien? 119, verset 70. La tête qui nous parle de notre volonté, on n'a plus de volonté. Ce qu'on veut, c'est la volonté de Dieu. So the head that talks about our will, our willingness. So if we have to have a will, it should be the will of the Lord. Psaume 119, verset 70. Mm-hmm. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi je fais mes délices de ta loi. Alléluia. So that's in Psalm 119, verset 70. Vraiment que le Seigneur nous garde l'insensibilité du cœur. So may the Lord keep that from our heart being insensitive. Parce que dans les derniers temps, because at the end of time, le cœur des hommes sera tellement insensible, the heart of man will be really insensitive, que la venue du Seigneur va les surprendre. That the venue of the Lord will surprise them. Il dit gardez-vous au milieu du manger des excès et du boire. So he says keep away from eating, from drinking in excess. C'est la graisse. So that's fat. Afin que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste. So that these days may not surprise you. Parce qu'il dit ça battra sur les habitants de la terre comme un piège, comme un filet. Because he says that these days will surprise you like comme un piège, comme un filet. Ouais, ouais. So it will surprise you like a nest, it will surprise you like Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie, mon frère. Moi, je... Can you say that again? Il dit que ce jour-là, le jour du Seigneur, va s'abattre sur les habitants de la terre comme un piège. So like a fork trap, like a trap, so that these days may not surprise you like a trap, like a trap or a nest. So, donc il dit veillez et priez. So it says watch over and pray. Voici comment on réussit à vaincre les sensibilités. So that's how we par la vie de prière, par la vie de méditation, par la vie de consécration. So by consecration. Amen. Amen. Au verset 9, il dit, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. L'eau, qui est l'expression, la cuve des reins qui nous parle du baptême. Le baptême. So the water talks about baptism. Mais avant d'arriver au baptême, il y a la foi. There is faith. Parce que les holocaustes qui étaient offerts, il fallait qu'ils soient assaisonnés. Because this holocaust that is being offered, they should have some ingredients. Le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. The Lord says we are the salt of the earth. C'est la foi. So that's faith. Marc 9, 49, je pense, et puis Marc 9, chapitre... Lévitique 2, 49 aussi. So Lévitique 2, 13. Marc 9, 49, Lévitique 2, verset 13. On va lire Lévitique 2, 13, il dit, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. »
sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. So that's in Leviticus 2 and 13. Mark 9, combien? 49. And you also have Mark 9, 49. Car chacun sera salé de feu, et toute offrande sera salée de sel. Alléluia. La foi. So faith. Paul dit il y a trois choses qui demeurent. But Paul says there are three things that dwells. La foi. That's faith. L'espérance. Hope. Et l'amour. And love. Qui caractérise les trois niveaux du sanctuaire. That characterizes the three levels of the sanctuary. Et Pierre qui va dire, and Peter that will say, quand il est arrivé chez Corneille, when he went to Cornell, il dit c'est par la foi, he said it's by faith, qu'on est délivré that we have been delivered, des péchés pour lesquels on pouvait être délivré par la loi de Moïse. From the sins that we could be delivered by the law of Moses. Mais c'est quoi la foi? But what is faith? La foi c'est une parole. Faith is a word. Mais c'est une parole révélée. It's a revealed word. C'est ça que le Seigneur a dit. That's why the Lord. Vous avez de la foi comme un grain de CDV. That if you have faith like a small seed. Mais la parole de Dieu c'est une semence. But the word of the Lord is a seed. Mais c'est une semence qui est révélée qui produit en nous la foi. It's a seed that has been revealed and that produces in us faith. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on prie que le Seigneur nous donne des révélations de sa parole, l'intelligence de sa parole. That's why we pray that the Lord gives to us the intelligence of His word, the revelation of His word. Parce que quand le Seigneur te révèle sa parole, because when the Lord reveals to you His word, c'est comme des colonnes dans ton cœur. It's like some columns in your heart. Personne ne peut te distraire. No one can distract you. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham est parti. The Bible says by faith that Abraham went away. Sans savoir où il allait. Without knowing where he was going. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la foi. May the Lord give us faith. Mais lui savait ce que Dieu lui avait dit. But he knows what the Lord told him. Certainement qu'autour de lui on disait mais tu es fou, comment tu peux laisser tout ce confort, tu peux laisser tout ce que tu as ici pour partir. It's true that certainly around him they were saying why leaving all this comfort and going. Mais Dieu lui avait parlé. But the Lord talked to him. Et quand on a la foi, and when we have faith, maintenant on s'en va dans les eaux du baptême. Now we go to the waters la cuve des reins. La cuve des reins. So that's the brass. Mais ce n'est pas la cuve des reins, c'est le baptême. Mais Pierre qui nous dit que le baptême qui ne consiste pas seulement à la purification du corps, parce que Israël était resté dans les œuvres, donc pour eux c'était un rituel de purification. Peter was explaining that baptism is not only the purification of the body. Mais c'est l'engagement. Israël was thinking that it's only concerning the purification of the body. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. And it's a commitment of a good conscience with God. Et pour revenir à la référence que nous faisons dans Hébreux 9, qui dit que celui qui prend part à ce culte là. And also to come back to the reference that we are looking in Hebrews chapter 9. Le culte des œuvres. So the service of. Il dit que ça ne peut jamais enlever les péchés. Says that. Hébreux 9. Je vais lire ça ou bien mieux tu peux lire pour nous. À partir du verset 9. Hebrews chapter 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Continue, verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alléluia. Ce culte-là, il est révolu. So that service is been updated. Donc le baptême. So baptism. On ferait mieux d'enseigner les gens quand ils disent des coups de baptême. They should teach people when they are teaching them baptism. À leur parler de l'engagement d'une bonne conscience. About the commitment of a good conscience. Et Pierre nous explique ça. And Peter is explaining that to us. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset. 1 Peter chapter 3. À partir du verset 20. Starting from the verset 20 et verset 21. Verse 20 and 21. Qui autrefois avait été 1 Pierre 3 verset 1, ouais. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Donc, il ne suffit pas de dire je suis baptisé, je suis passé par les eaux du baptême pour dire que je suis baptisé. So, mais ce qui est. Mm-hmm. So, it shouldn't be like I went through the water of baptism and baptized. Mais ce qui est important, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. And what is important is the commitment of a good conscience towards God. Mais c'est quoi cet engagement-là? But this commitment, what's this? Pierre explique ça à deux niveaux. Peter is explaining that at two levels. Il dit, repentez-vous. He says, repent. Et convertissez-vous. And convert yourselves. Pour que vos péchés soient effacés. So that your sins may be erased. Et que le Seigneur vous envoie celui qui vous était destiné. And that the Lord should send to le you Messie. The one that is destined to you. Et que les temps de rafraîchissement viennent. And so that the times of refreshment should come. Acte 3, verset 19. That's in Act of Apostle 3, verse 9. Donc on voit que dans la conversion d'une personne, il y a deux niveaux. So we see that in the conversion of someone, la repentance qui parle de la renonciation aux œuvres mortes. So there is repentance that talks about renunciation. Et puis l'autre niveau où dead actions. L'autre niveau où les cœurs se convertissent à Dieu. And à there Christ. Is also another level in which the heart converts to new things. Parce que c'est en ce moment-là. Because that's at the very moment. Que le voile que Moïse mettait sur son visage. That the veil that was covering the face of Moses. Qui était l'expression de l'incompréhension des choses de Dieu. That was the expression of the incomprehension of the things of the Lord. Qui était l'expression de la mort spirituelle. That was the expression of spiritual death. Que ce voile-là va être ôté. Quand Amen. Le cœur se convertit à Christ. Amen. That spiritual death, that, so that veil is being removed. Et puis le Seigneur commence à nous transformer de gloire en gloire. And the Lord starts to transform us from glory to glory. 2 Corinthiens 3. Que tu puisses répondre en dix, on prend les questions. Ouais. Après ça, je vais m'arrêter et puis on prend les questions s'il y en a. 2 Corinthiens 3, à partir de verset 15, verset 18. So 2 Corinthiens 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mm-hmm. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Je crois pour ma part ce soir que chacun de nous, nous sommes rendus, on a dépassé, parce que je pèse mes mots, on a dépassé la cuve des reins, on a fini le baptême. So I know for my part that all of us that gathered here, we have already gone through the tank of, the brass tank, that's to symbolize baptism. Parce qu'après la cuve des reins, because after the brass tank, le souverain sacrificateur va mettre ses vêtements de sacerdoce. So the chief priest will put avant de rentrer dans le lieu saint. Will put on his dresses before entering the holy place. Et la semaine prochaine, so next week, Mémel va reprendre les trois fêtes, les trois premières fêtes. Mémel will talk about the three feasts, the first three feasts. Et puis on va parler des vêtements que le souverain sacrificateur met avant de rentrer. And we are going to talk about the dresses that the chief priest wears before entering the holy place. Et puis si Seigneur fait la grâce de continuer. And if the Lord gives us grace, we are going to continue. On va voir que ceux qui rentrent dans le lieu saint là. We are going to see that those who enter the holy place. C'est les gens qui reçoivent le baptême de l'esprit. They are those that receive the baptism of the Spirit. Le baptême de l'esprit qui est une autre fête aussi. The baptism of the Spirit, that is another feast. C'est les gens qui ont goûté la bonne parole. That's those who tasted the good word. Parce que à la fête des semaines. Because at the feast of des semaines. Of des sept semaines. Des sept semaines là. Des sept semaines qui est aussi la fête de Pentecôte. Pentecôte. Okay, the feast of the 7 weeks after Pentecôte. Il fallait apporter deux pains. You have to bring two bread. Ces deux pains là, so these two bread, ça parle de ceux qui ont goûté la bonne parole. Talks about those who tasted the good word. Ceux qui ont reçu l'esprit. Those who received the spirit. Ceux qui ont été éclairés. Those who have been enlightened. C'est ce qui caractérise le lieu saint. So that's what characterizes the holy place. Et puis après on verra le lieu très saint. And after we are going to see the most holy place. Donc pour dire que dans le sanctuaire de Dieu. So that's to say in the sanctuary of the Lord. Il y a des niveaux. There are levels. C'est pour ça que Paul dit chacun va ressusciter, mais chacun son rang.
That's why Paul said everybody will resurrect, but each one according to his rank. Celui qui est au niveau du parvis. The one that is at the first level of the sanctuary. Il n'est pas pareil que celui qui est au niveau du lieu saint. It's not the same like the one that is at the position. Et celui qui est au niveau du lieu saint. The position at the holy place of the sanctuary. N'est pas pareil que celui qui est au niveau du lieu très saint. And the one that is at the holy place of the sanctuary is not like the one that is at the most holy place of the sanctuary. On va voir la différence. We are going to see the difference. Parce que c'est Aaron seul qui rentrait dans le lieu saint. That because Aaron only that enters the holy place. Une fois par année. That's one time a year. Et nulle part dans l'Ancien Testament on nous parle de ce qui se passait là-bas. And nowhere in the Old Testament. C'est un mystère. What goes over there? It's a mystery. Parce que Aaron c'était un apôtre. Because Aaron was an apostle. Et à travers son ministère, and through his ministry, on comprend mieux le ministère des apôtres. We understand better the ministry of the apostles. Et on commence à comprendre ce que Paul est en train de dire quand il parle aux Éphésiens. And we can understand what Paul was saying when he was speaking to the Ephesians. Quand il dit ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été maintenant révélé aux apôtres. When he said that this mystery wasn't revealed to those of the past, but now it's been given to you now. Je m'arrête là. Amen. I'll stop over here. Amen. Amen. Amen.